Bonjour tout le monde et bienvenue dans Twilight Princess. Je suis un loup. Comment ça, bienvenue dans Twilight Princess? Ça veut rien dire. Bon, pardon, bienvenue dans loup. Et maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah mince, c'est le... Je veux dire, c'est le chat qui parle. Bah oui, c'est le chat. C'est l'aventure d'un chat et d'un chien. Ah, c'est trop bien. Tu pensais que j'avais disparu? Bon, écoute, il y a autre chose que j'oubliais de te dire. Ça ne te servira à rien d'essayer d'aller les sauver maintenant. À l'autre bout du pont commence le crépuscule, et tout à l'heure, un monstre des ombres s'est saisi de toi et t'a fait entrer de force. Et de la même manière, tu ne pourras pas y entrer si l'un de ses habitants, par exemple moi, ne t'apporte pas son aide. Donc si tu veux sauver tes amis, il va falloir être très obéissant. Ensuite, tout dépend de toi. Parce que tu vois, je ne fais jamais confiance aux mots. Seuls les actes comptent. Mais c'est pas possible qu'il y ait des sons en même temps que je parle. Mais si Midona arrive à parler, à bailler en même temps, mais là le coup du ça faisait genre. En fait, t'es plus loup que chat, toi. Genre. Attends, mais c'est pas normal, je sais pas si tu pourras. T'inquiète, je peux le faire moi. J'aimerais bien avoir une épée et un bouclier me saillant. Ah bon, genre toi tu te bats? Bah oui, je suis. Tu es mon écuyer et moi je suis un chevalier. Et bien alors, pendant que tu tardes de te décider, le crépuscule étend son influence sur le monde. Allez hop hop hop! Plus vite que ça. On va allez, trouver hop, une hop, épée hop. Et un bouclier pour Mademoiselle Midona. Allez hop hop hop, plus vite que ça. Et allez hop hop hop, plus vite que ça. Mais le pauvre, c'était le garde forestier. Non. Ah d'accord, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Nope. D'ailleurs, ouais, si vous voulez faire un glitch, il faut pas tuer ce monsieur aussi. Mais moi je m'en fiche, je le fais pas. Moi je m'en fiche, je fais pas de glitch, il dit Midu. Non, je sais pas faire de glitch, je suis gentil. Pourquoi tu tues tout le monde? Parce que je suis un méchant. Un instant. Oh bah dis donc, un instant de l'écureuil. Merci, merci de les avoir punis. Ces monstres ont ravagé la forêt et attaqué le village. Ils ont même enlevé les enfants. Mais toi, tu es différent, tu n'es pas méchant. Je le sais, car tu dégages l'odeur des arbres de cette forêt. Si tu devais avoir besoin d'aide, parle aux animaux. Tous les animaux se comprennent, ne t'inquiète pas. Oh, c'est idyllique, n'est-ce pas? Oui. Même si j'y crois pas une seule seconde à cette histoire que tous les animaux se comprennent. Mais si, le loup. Va-t'en, le loup! C'est ce qu'ils disent, les humains, à chaque fois qu'ils voient le loup. Ah, comment en est-on arrivé là? Les enfants, en fait, qu'il ne leur est rien arrivé. Pardonne à ton bon à rien de peur, s'il te plaît. Oui, il a une voix comme ça, là. Tiens, moi... Vas-y, mange un potiron! Je peux pas les prendre, les potirons? Avec B! On peut pas les prendre, les potirons. Mais tu l'as mangé déçu, avec je suis déçu. Il y a des cocottes. Je veux parler à la cocotte avant. Même si. Ah oui, on peut parler à la grenouille. Il est gourmand du coin, il joue toujours pas ici. Il y a des tas de choses enterrées un peu partout. Si tu fous le sol avec Y, tu vas trouver des tas de choses. Trop bien. Oh! Quoi? Ben quoi? D'accord, c'est pas très original. Et alors, ça te défrise, j'y peux rien, moi. Je pensais que tu voulais pas, mais j'ai rien préparé. Bah tu sais, il voulait pas te parler. C'est pas elle la cocotte là? Écoute, ce loup se découpant sur la glace de la pleine lune. Quelle image, sa vraie nature ainsi révélée par l'acte nocturne. L'astre nocturne dans ce village désert, je reste sans côte. Noble quadrupède, le spectacle de ton regard perçant, et X fouillant les ténèbres en quête d'étoiles. Oh, magnifique. Non, c'est pas toi, c'est t'es pas toi. X. T'es X100, ça, c'est lui, lui c'est le chef du village. Oh, à nouveau, tu n'es pas bête, tu as tout suivi qui était le maître ici. C'est bien de venir saluer le roi de la basse-cour, tu me plais. Si tu veux savoir qu'est-ce que ça. Non, moi je... Ah si, vas-y, dis-moi tout. C'est un village paisible d'habitude, mais il y a eu un incident, si tu vois ce que je veux dire. Pour faire simple, les monstres ont attaqué le village et ont enlevé les enfants. D'ailleurs, toi aussi tu as une tête de monstre, mais là n'est pas les questions. Si vous rentrez dans le village, fais attention à ne pas te faire opérer par les humains. Oh, il y avait un truc. Oh, il y a une autre cocotte. Oula, dis-moi mon grand, mais tu peux comme celui qui travaille à la bergerie. Ne me dis pas que tu l'as mangé. Non. On peut pas vous frapper. Ah si, on peut. Ah, j'ai frappé le maître de la basse-cour. Allez, faites un combat pour savoir qui est le nouveau roi du village. Allez, on va manger les humains. Ah d'accord, le bouclier. Chut, pas si fort. On va manger le... Je peux pas me balader avec ça quand même. Non, je peux vraiment pas. Non, tu peux pas. Oh, je suis déçu. Attends, vas-y, cache-toi dans l'air. Doucement, écoute. Écoutez, je suis venu chercher tu sais quoi. C'est trop loin là. Je suis venu chercher tu sais quoi. Qui? Le bouclier. Non, il parle chez toi. Ah oui, bah oui, tant qu'on est plus près, il parle normalement. Oui, il doit être dans le grenier. Parfait. On va le chercher s'il te plaît.
Moi est blessé. Je compte aller chercher les enfants à sa place. Oui, mais moi avait une épée. Tu ne vas quand même pas y aller sans rien. Tu vas te faire tuer. T'en fais pas. Moi a encore l'épée qu'on avait. Pourquoi tu dis moi? Pour changer les dialogues et les rendre plus intéressants. Tu vois, Moi. Oh, c'est nul, Moi. Moi. D'accord, c'est... Bodan. Je me dépêche. Attends un instant. Un instant. Un monstre. Ah. Filons d'ici. Filons d'ici. Et voilà. Voilà une conversation intéressante. Haha, quelle bande de crétins! Bon, et maintenant? Par où va-t-on passer? Je me le demande. La caméra. Oh, on peut parler au chaton. Ah non, c'est un chien. Quoi? J'aime bien la promenade du soir. Qu'est-ce que je trouve aujourd'hui? Quoi? Moi, j'aime bien creuser des trous. Quoi? Une vraie chasse au trésor, j'adore. Tu colles la truffe au sol avec sens et tu creuses aux endroits bizarres et tu veux pas que je lise tout. Pourquoi? Parce que t'es un petit chien. Non mais sérieux, c'est quoi leur délire à tous me dire il faut creuser. Non mais c'est quoi ça? Les animaux de cet endroit, ils sont tous accros. Ils sont accros aux rubis. Ouais non, il y a pas le chat encore. Mais si, il y a le chat. Il y a le chat, je sais pas où il est. Je crois qu'il est là-bas. Je vais le voir. Non, il est pas là. Il est quelque part, hein. Il est quelque part vers là, je crois. Tu vois, dans les parties précédentes, je voulais visiter le village et finalement c'est bon, c'est toi qui le fais avec les animaux. C'est plus intéressant. Encore une cocotte? Non, c'est toi la cocotte, on t'a déjà parlé. Bon, je sais pas où il est passé le chat. On le trouvait peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, il est pas là, peut-être. Ah, il est là! Il est là-haut? Vas-y, il m'a pas vu, lui, là. Normalement, il est censé nous voir. Donc, je crois que, ouais. Bah, en plus, tu cours et tu aboies. En plus, il est censé nous voir, mais je sais pas ce qu'il fait. Ah, quand même! Un monstre! Vous n'en avez pas eu assez! Rendez-moi ma fille! Tiens, prends ça! T'as vu, ils savent tous jouer de la musique. Alors, mais alors lui c'est un champion du monde parce qu'il arrive à jouer de la musique sans toucher l'herbe. Enfin, une fois qu'il a... T'as vu, il fait mal, hein, le méchant. Bon, il est où, le chat? Ah, ça y est, il est sorti. Pardon. Tu t'es fait attaquer par le faucon? Pas moyen de le mordre, celui-là. Oh, désolé. Celui qui a appelé le faucon, c'est l'humain de mon humaine. Si tu veux te venger, je connais un bon moyen. Tu veux pas me le dire? C'est le même odeur que Okari, le berger. Tu ne peux pas être un méchant loup. Ah, désolé. Celui qui a appelé le faucon, c'est l'humain de mon humaine, mais je t'ai déjà dit. Impeccable. Grimpe sur ce toit et fiche-lui la trouille de sa vie. Non, mais il va voir. Je vais lui apprendre à me regarder de haut comme ça. Regarde, Okari, il danse, là. Non, il tape du pied. Des deux pieds en même temps. Il est impatient. Mais parle pas à lui, c'est bon. Go, vas-y. Non, il faut y aller lentement. Bah oui, et puis tu fais un saut et tu aboies. Ah, vas-y, je voulais arriver lentement derrière lui. Puis du coup, c'est cool, on peut appeler le faucon aussi. Oh, magnifique. N'est-ce pas? Garde. Quelle magnifique voix. Mais oui, mais j'ai une belle voix, qu'est-ce que tu veux? Bon, par contre, c'est long d'appeler le faucon parce qu'il met du temps, mais... Après, je suis content et je crois qu'on peut passer cette cinématique là. Ouais. Cool! Okari, c'est toi? Désolé de t'avoir attaqué tout à l'heure. Les faucons ne peuvent désobéir à celui qui nous appelle avec notre herbe. Dis donc, tu imites super bien le son de l'herbe des faucons? Je me suis fait prendre. Toi aussi, tu peux m'appeler quand tu veux. Je volerai à ton secours. Parole de rapace, je suis sûr que je pourrais t'être utile. Je crois qu'on peut même rien faire avec lui. Je sais même pas pourquoi il dit ça. Genre. Mais si, à un moment, t'es obligé de l'appeler. Sérieux? Mais je crois, hein. Oh, je crois pas, je m'en souviens pas. Mais je crois que c'est Ola que t'es obligé de l'appeler. Allez, il est temps de descendre. Mais non, c'est pas lui qu'on appelle. Ah, Ola. Okay. Vas-y, t'as spoilé qu'il y avait un lac là. Mais il y a toujours un lac dans les Zelda. Et là, c'est là, on peut les prendre? Non, toujours pas. Moi, j'ai mangé. Plein de potirons, mon garçon. J'ai mangé le potiron de cette famille. Ah, trouvé! Allez, vite, vole le bouclier. Trop bien! Non mais arrête! Le pauvre mur, il t'a rien fait! Tenez le bouclier de toi! Volant. Il craint le feu! Il fait un peu toc. Craint le feu! Enfin, on s'en contentera. Maintenant, passons à l'épée, trouve-moi ça vite! Il craint le feu! C'est bon, on a compris. C'est très important. Regarde, t'es dans l'eau, il craint plus le feu. Ah, ok, c'est bon. C'était quoi ce bruit? Je pense que ce sont les enfants! Je vais inspecter les alentours. Toi, tu restes à l'intérieur. L'épée destinée au château est sur le divan. Donne-la à Bodan quand il sera là. Mais enfin, chérie, tu ne peux pas sortir dans ton état.
Ah oui, du coup, là, il y a un glitch marrant, parce qu'en fait, on peut ne pas faire cette partie, et du coup, ne jamais aller chercher... Ne jamais aller chercher donc cette fameuse épée, ce fameux bouclier. Et du coup, si on arrive à faire tout ça, et qu'on est là, on peut être Link normal, et aller voir ce monsieur, et il nous dit... Je t'ai trouvé, vile créature. Mais je suis juste au carry. Et on peut lui faire peur aussi. Du coup, il y a la vile créature qui arrive, là. Il se téléporte, lui, il est trop fort. N'empêche qu'il bouge pas. Comme tu peux constater, il a... Genre, tu vois, de sa femme que lui. Mais c'est pas grave, hein, pas de problème. Il la protège bien. Quoi, les pauvres gens? Ils vont m'oublier, regarde, je vais passer là, hop, c'est bon, ils ont oublié que j'existais. Ah non, ça va, ils sont intelligents finalement. C'est pas si bête que ça. Excusez-moi, je vous ai insulté. T'es. Non, bah ok, finalement, hein, je retire tout ce que j'ai dit. Alors là, non, c'est bon, mais là. Là, ils oublient qu'on existe. On est arrivé. On peut manger. On peut manger. On mange pas l'épée. On peut manger. Mais il faut parler à l'épée, mais voilà. C'est bien, tu as attrapé le bâton. Cette lame a été forgée par moi, guerrier de Tol, comme cadeau pour la famille royale. C'est trop bien. Impeccable. Impeccable. Avec ça, notre panoplie de petits guerriers est complète. Tu vois, quand tu veux. Bon, ça c'est amusé. Je te ramène dans le crépuscule. Retourne dans la forêt, là où tu as changé de forme la première fois. Trop bien. Let's go. Oh mais t'aurais dû sortir par la porte. Bah oui mais il sait pas ouvrir les portes. Bah t'es pas doué à tonnerre, lui il sait. Bah oui mais ça marche pas quand j'essaye. Oh. C'est bon, je m'en vais. Oh, à la peine d'être aussi rabat-joie. Bah oui mais bon, t'as pas honte de faire peur aux femmes enceintes comme pourquoi ça? Pourquoi tu me donnes des coups d'épée? Je suis même pas là. Mais non mais tu sais, il agite le feu et tout pour que t'aies peur. Normalement t'es censé avoir peur. Ah. Regarde, tu vois, tu fuis. Bah oui, bien sûr. Mais il est pas gentil, ce monsieur. Moi, il n'est pas gentil. Ça fait un peu genre, où je parle de moi, avec une personne, tu vois, on peut s'entraîner, là. Là, c'est bon, hop, mes petits entraînements. Et hop, c'est bon, je suis prêt. Parfait. Je suis prêt avec mon épée, mon bouclier, j'ai tout appris. Il est temps de sauver Iria et les enfants. Mais on va pas sauver Colin. Ah. Jamais. Y'a pas un rocher que je peux ramasser, là, sérieux? Pourquoi tu veux te balader avec un rocher? Mais ça parce fait que mal c'est cool. Allez vite. Attends. Viens à la source. Et je fais pas prier au Karine. Cette forme sous laquelle tu te trouves, une créature maniant la puissance des ombres, en est responsable. Prends ceci. Merci. Très beau cadeau. En garde les créatures des ombres. Elles approchent. Bonjour. Non, attaque des pixels. Il a pas mal, lui. Il avait l'air plus petit que ça. Mais désolé. Je peux pas attaquer le mur. Désolé, j'ai du mal visiblement à faire des attaques tornades, je sais pas pourquoi. Parce que. Ça sert à rien d'attaquer avec ta queue. C'est plus puissant. Bon, non. Je rigole. Le loup, toutes ses attaques sont aussi puissantes les unes que les autres, je crois. Donc, ce que je dis est complètement faux. C'est pour le style, quand même. Regarde, c'est joli. Moi, j'aimerais bien avoir une source comme ça chez moi. Ah, oh, bah c'est sûr. Bon, par contre, ça fait mal aux yeux quand la nuit, mais... Mais c'est joli. Mais c'est joli. Mais je ne sais plus qui est là-dedans. Je crois que c'est une chèvre. Un truc pas intéressant. Comme ça. Un peu comme, tu sais, les chèvres. Mais pas les chèvres, les chèvres, mais les chèvres. Les chèvres, oui, les chèvres. Tu vois, les chèvres. C'est le Kirin, il est là. Il est en train de faire roar. Bah ouais, c'est le Kirin, il fait roar. C'est la subspécie numéro 3 du Kirin. Le Kirin de lumière. Oh, jeune homme. Je suis la Toine, l'un des quatre esprits de la lumière que les déesses ont désigné pour apporter la lumière en Hyrule. Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule, venu dérober la lumière dont nous sommes les gardiens.
Ils parlent super lentement, c'est Ils sont un peu comme Black Doom. Nous sommes les Black Arms. Nous sommes les agents. Nous sommes les gardiens Tyrul. Nous avons du mal. Nous nous sommes fait attaquer par les créatures du mal. Link, détruis-les tous. Link, pose les bombes chez les créatures du mal. Pour détruire, ils te révéleront la réalité sur ton passé. Ils révéleront la réalité sur le Link de Majora Mask et montrer qu'il n'est pas mort en réalité. Ah bah si. Ah mince, tout le monde meurt au bout d'un moment. C'est vrai, il est mort, mais seulement de vieillesse. Par... Le petit rire de Black Doom à la fin. Par Okari, le seul espoir du monde est de sauver de l'avidité du roi des ombres et de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour créer, les trois esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. Il bouge souvent la patte quand même, Okari. Hein. Mais il est impatient, je t'ai dit, il en a Je sais pourquoi il parle comme ça, il a un problème à la gorge ou quoi. Toi. Tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes. Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firon, là où tu fus changé en loup, si tu revivais la lumière de l'esprit qui y réside, alors... Le pouvoir de cet esprit de la lumière serait certainement te ramener à ta forme originelle. Parfait. C'est splendide, c'est justement ce dont je rêvais. J'en ai rêvé toute ma vie en plus. Et pour cela, il va te confier ton objet préféré du jeu. N'en parlons pas, s'il te plaît. Vous savez, quand je dis n'en parlons pas, on n'entend rien dans le micro. Oui, bah moi, j'ai fait un rire bizarre, on dirait des cigales. Hein. Donc là, tu vas boire de la Badoit, là. Il y en a toujours une qui passe à la télé, je me souviens jamais de son nom. C'est la Badoit du Sud, ils ont mis le Sud en bouteille, mais pas le sel. Ok. J'ai toujours pas compris cette pub. Bah, l'eau salée de la Méditerranée. Ah, d'accord. Hé, hey, regarde. Comme tu peux le voir, la forêt de Firon que tu connaissais fait maintenant partie du monde des ombres. Il se peut que tu ne puisses pas revenir, tu veux quand même y aller? Oui. T'as vu, il a même dit oui avec sa tête au cas. T'en rends compte que c'est la fin de la vidéo, on a rien fait dans cette vidéo. C'est pas grave, t'es retourné dans le crépuscule. Ouais, bah, histoire de bien dire qu'on a fait aucune progression, on est même revenu en arrière. Mais non, maintenant t'es dans la forêt de Firon des Ténèbres. Oui, parce que là, en 20 minutes, on a rien fait. En réalité, ça, ça se fait en 5 minutes, hein. Non, mais c'est parce qu'on se balade. C'est ce que les gens de ton monde utilisent comme arme. Mais arrête! Tu crois vraiment que ça aura un effet quelconque sur les créatures que tu vas affronter? Regarde, regarde la tête de Okari là, genre. Mais t'es complètement stupide, arrête de faire ça. Ah! Je crois que je vais me passer de ces trucs. Mais je te les mets de côté, t'inquiète pas. Qu'on les ait pas volés pour rien. Bah oui, hein, franchement. Enfin, une promesse est une promesse. Je veux te faire confiance et t'aider. En échange, il y a un certain objet que je désire récupérer et tu vas m'aider à les trouver. Je ne te dirai rien pour le moment, mais ce sera facile, promis. Mince, pardon. Oublie ça et écoute. Tu entends ces lamentations? C'est la voix de l'esprit qui s'est fait voler sa lumière. Je me demande bien où tu vas pouvoir le trouver. Tu vaut mieux te mettre à sa recherche, tu crois pas? Je n'ose penser qu'il adviendrait ton monde sans sa lumière. Bah, on sera tous des fantômes. Sauf Okari. Allez, en route! Et Zelda. Ils étaient là, voilà. Ils seront les seuls survivants du monde, des ténèbres dans la lumière. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous, et donc du coup, moi je retourne dans mon monde. Laisse tomber, t'y arriveras pas. Une fois que tu es passé de ce côté, il est extrêmement difficile de ressortir. Si tu veux regagner ton monde, il va d'abord falloir faire quelque chose. Et bon oui. Bah voilà, on ne peut pas finir cette vidéo, donc voilà, on est condamné à rester dans cette vidéo. Merci à tous, et au revoir quand même. Au revoir tout le monde.